question suivante. Salam alaikum, cher. Je suis une sœur et il m'arrivait très souvent de faire le ghusl avant la prière parce que le mahdi, suite à des pensées, ressemble à celui du mani et à cause de ça, je n'ose prier en dehors de chez moi car j'ai des doutes quant à la nature de ce liquide qui émane de moi lors des pensées. Cher, éclairez-moi, min fadlikum. Pour faire le ghusl, faut-il avoir un étourdissement? Et est-ce une condition ou faut-il juste avoir le liquide que ressemble au mani pour faire le ghusl? Tfadal, cher. Naam. Donc je rassure la sœur pour lui dire, et même l'homme, le frère, pour lui dire que pour aller faire un roust, Naam, pour aller faire un roust, il faut que le liquide qui sorte, qui sort, il faudrait qu'il sorte après quoi? Après, attendez, je cherche le mot adak. Bon, disons comme elle a dit elle, après étourdissement. Vous comprenez? Ce n'est pas, je pense par exemple à quelqu'un, là je pense à une femme, là je pense à quelque chose, ensuite il y a quelque chose qui sort, je vais faire le roust. Ça s'appelle le mehdi. C'est pas le mani. Pour faire le roust, il faut que ce soit le mani. Et le mani hada, il ne sort jamais quand on pense seulement. Mais il faut atteindre, yani une chose, je sais pas comment ça s'appelle hadi, il faut atteindre une chose pour que ce liquide puisse sortir. Et il sort comme ça, yani, en arabe on dit tadaffuq. Non, il sort, yani, il coule, il s'arrête, il coule, il s'arrête, et comme ça. Mais ce n'est pas ce dont elle a parlé, elle. Ce dont elle a parlé, elle, qui sort comme ça, juste quand on pense à quelque chose, ou là, on voit une photo, ou là, ça demande seulement de laver les parties intimes et de faire le wudu. Mais pour que la personne fasse le roust, faut que ça soit le mani et celui-là il ne sort que après avoir atteint yani l'étourdissement comme elle...